Museveni était président de l'Ouganda. C'est un hypocrite président de l'Ouganda. Le chef de l'État de l'Ouganda, c'est un hypocrite. C'est un mafié. Azak opéra, il y a des multinationaux. C'est lui qui est manipulé par les multinationaux. Il est même utilisé par les multinationaux pour venir déstabiliser la RDC. Le développement de l'Ouganda et du Rwanda, ils allaient qui maquiller, il y a des Congolais. Ma maman va se couper. Ma maman va se violer. Parce que le temps de la vie est en Maboko, na Congo, Awa. Mais la communauté internationale nous chantait le développement du Rwanda et de l'Ouganda. Et que non, ce sont des pays qui ont avancé. Mais bah, avancer dans Makila où ils ont tangé dans Congo. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis en Catalie politique de la République démocratique du Congo. Bonne santé. De santé, je suis toujours en rythme. Je suis en train de bouger mon micro. Je suis bétonné partout. Je suis en train de partout dans les temps de Congo, la télévision, chaîne depuis des 100 000 abonnés. Est-ce que vous connaissez le président de la République Ouais, Ngaï Naza, président du Parlement debout, Papi Mukendi, les garants de l'honnêteté intellectuelle. Les garants de l'honnêteté intellectuelle. Ouais. Je suis en République de la démocratie du Congo, je suis en République de la 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 République Yangwana na moya lelo soki toza batu ya presse ba soki bazangi patience c'est-à-dire bakopousser mwana mboka na ba erere belé yangwana fati ayebi place nini azo toucher point nini ya ko toucher point nini ya ko simba de façon que non atombola ba colonne oyo et comme ma toujours mboka oyo na développement alors ba congolais toza la na patience toza la na bolingo to linga mboka na biso atako linga ka fati te mais linga na yo mboka parce que Moi, je suis monsieur les journalistes, je suis là que nous, ceux qui m'ont dit que nous, nous avons un échec pendant 5 ans. Mais si vous avez un échec fati, pendant 5 ans, échec qui est pour la fatigue, c'est pour la nation Mobimba. Mais tu as l'âge. Nous avons perdu les ressources 5 ans, nous avons si perdu 18 ans, et pas à Kabila, nous perdu les ressources 5 ans, vous avez que nous avons un âge. C'est-à-dire, le temps que fati a perdu l'échec, nous avons un peu. Donc, les échecs et les nations, ils ont perdu les Okola, perdu les Pétan Pamba, Yangwana, Olingaka Fatite, mais ils disent que non, Mboka Nayo est réussir. Parce que réussite à Fati, ils ont réussite à Mboka Mobimba. Moi, je suis à Mboka Mobimba, je suis à Mboka Boni, est la République démocratique du Congo, je suis à Mboka, je suis à l'intervention à Mboka Mouana, je suis à Mboka Africain Paul Kagame, dans Tandoïke à TV5 Monde, c'est que vous pensez là. Je vais mettre la liste sur SRP, donc c'est comment ce que vous avez dit au terme de mon amour. Oui, moi je suis Paul Kagame, président de Rwanda, à Outaki Kosila, je vais présenter Sony dans mon Kilimo Bimba. Parce que Pamba est président Oyo depuis longtemps. Batubazo Lobakeno, c'est le Rwanda qui a agressé le Congo. C'est le Rwanda Oyo Baza derrière M23. C'est le Rwanda Oyo Baza M23. Batu ya mitema mabe lokola ba ambongo ba katumbi bango bazokotela Rwanda bazoboya makambu batu babandai koloba me bozomona keno lelo yemoko Kagame auti na kosila koloba keno bake ko signer cesser les faits tango a signer cesser les faits asuki na ye wana kaka na cesser les faits te afanda pamba te aleki na France 24 à Salaki interview Owana émission à Salaki na Boisbouvier donc esa émission oyo la kisi que non et Salison ya Kagame et lingi koloba que non bomoni chaque fois ce qui régime esa na déclin chute ya régime esa la kanaba manifestation na ngoba manifestation entre autres bomoni avant Mobutu akende basalaki na ye une grande émission émission oyo basalaki na Mobutu boye komona que non après parce que ba décideur ya monde ba yebaka ndeni ni koyaka ko piéger mutu tango bazoya na tango wana soki oza prudente okoyako donc koyoki samokilisoni
de vos hommes que non émission ana il a qui na Kagame que non parce que bakola qui est vraiment azolu comme moyen ya ko s'échapper mais et Simba qui na été parce que il est l'un dont le nœud du problème na agression oyo ezole kana et c'est la République démocratique du Congo Kagame est parvenu même à s'attaquer contre la communauté internationale oyo biso toyebaka banda donc ayé ko faire découvrir même dans le monde que non azana déception azal donc azal il sous en bonne collaboration avec la communauté internationale pambate pona nini ba yebisi Kagame mais oyebi que na 2013 Obama abenga kio pona likambo ya M23 na 2022 awa biso toyeba kite nzo kande Joe Biden asi abenga ki Kagame akebisa kie pona soutien na ye na makambo ya M23 et ce qui na Joe Biden te secrétaire d'état américain oya zakanara ya premier ministre ya États-Unis auti ko benga ya akebisa ki lisusu makasi pona donc Kagame s'est retiré na makambo ya M23 donc na makambo ya déstabilisation ya SR République démocratique du Congo. Yoka réponse ya Kagame. Donc Kagame alobi ko benga oyo bazo benganga réponse o bazo luka ezanga te mutu na ko pesa bango base la bazo c'est les réponses ezana mutu mususu oyo ya ko pesa bango oh tusiko tozo tuna na nyango ko pesa bango réponse c'est-à-dire ba militants nationaux oyo bayaka ko opérer na sima ya Kagame oyo ba pesa ka ye batinda ka ye na RDC bango nde ba ko benga ba décider ya monde de façon que non balo belaye mais na minute oyo na tango tozoloba kimia ekokota na SR République démocratique du Congo parce que toza na Fati Beton bato bazo critiquer baye bakite Fati aza felin politicien talaka mwana papa abombaki na simana ye na lipeka na ye atambolaka na ye lokola sakoche papa alakisa ki ye ndenge nini basalaka politique mais bato pona bango pona politique bakanisaka keno politique ça collega na télévision ko sala ka batamutam ko sala ka babétise ko loué ba journaliste ko sombela bango whisky ko kotisa bango na ba ko pense ko tinda bango na ba émission pour que ba salir ba critiquer mboka na bango bino bozo mona ke mboka oyo mboka eza agressé biso nyonso il faut to soutenir la unité parce que un peuple uni n'a jamais été vaincu c'est dans l'unité que nous pouvons avoir la victoire mais ozo mona ke no eza na batumisusu oyo balingaka ba congolais te bazozo ba whisky ba inconscient pour que ba soutenir ba rwandais bango lelo ba komi kokotela M23 ba komi kokotela Kagame ba journaliste ya whisky merci beaucoup ba journaliste ya whisky mwana mboka kisi komona na Rwanda perte ya plus de 400 militaires te ke ba rwandais bazolo ba ke bango bazali auteur ya massacre est mais boni 400 militaires tués na Rwanda ba witsu après guerre ni. Voilà, Kagame a se plaindre à lobby. Bon, monique, na 2019, na mois de novembre, il y avait eu incursion, il y a FDLR qui a attaqué au Rwanda, communauté internationale à lobby li angote. Na mois ya lelo, RDC a outi ko bombardé, ba lancé ba bombe na bango, na est la République de donc kuna na Rwanda, ba tu ba kufi ba mitusu baza na ba hôpitaux. Ba soda na biso alors elokwana communauté internationale bazolo bela yangote mais bazolo bakaka ngainde nazo agresser RDC ngande nazo soutenir M23 or M23 wana baebi place M23 azozo wa soutien c'est-à-dire pona ye alobaki indirectement que non M23 azozo wa soutien na Uganda ezabisote oh ministre na ye ya affaires étrangères James Kabarebe autaki pe koloba tango Fati bazalaki kuna le jour oyo bakendaki pona makambo ya négociation ya tripartite ministre wana parce que il y avait une réunion entre le ministre et aussi une réunion entre le président ministre James Kabarebe a ABC mwana mboka Christophe Lutundu la ABC que non biso M23 tango bakimaki ba misusu bayaki na Rwanda bawe bazaki na Rwanda tobotola ki bango manduki tochaki bango na bakazerne mais ba oyo bazana Uganda place Makenga Fandaka nde place batwana bazwaka manduki bango nde bayaka ko attaquer donc toyeko yeba keno mais lutundu la tuni bango mais tango to Fandaka bino na ba réunion
bino batanga kaka ke bino ndebo akresaka RDC mais pona nini botanga ka combo ya Uganda te alors eye ko la kisa keno batwana nyo so mi balé bango ba yebi complot na bango comment est-ce que parce que Uganda na Uganda bo donc boyoka ki keno communauté internationale les États-Unis ba utaki ko sanctionner lisusu ba sanctionner keno ba or oyo eza exploité et ça donc raffiné na Uganda et ba côté kango lisusu te na niveau international Uganda a na plus de 7 usines ya raffinerie ya or usine on ya raffinerie quantité or ezalaka na Uganda ba kosa la musala wana te yango na bomoni keno tango bomoni ke état de siège de place likambo mama na likambo eza état de siège donc tango ka chef de l'état a décrété état de siège ndenga chef de l'état lobi a lobi keno et révélé biso makambo ebele entre autres et sali keno production na bango ya quantité ya ba minéré production ya ba ougandé na ba usine na bango ya ba raffinerie ya or et kiti bazala ki ba bande ko produire entre autres ba 16000 tonnes par an mais lelo basi ba kiti ba komi même jusqu'à 900 kilos par an mais tango ba moni keno bazo perdre production na bango ba minéré ou bande ko soit en désordre bazo sale exploitation illicite bazali susu et donc bazo profiter na ngote et pesi bango kanda ba kei ko nécessiter lisusu ko résister M23 oyo azalaki déjà de fait na 2000 mais oui chef de l'état lobi boye pour cette fois-ci exacte que non bakosolola M23 bafandi ba occuper lisusu ba territoire ndenge basalaki na Kabila ba lobi cesser les faits des hostilités c'est-à-dire même place au bango bazo occuper balingi lisusu koyoka bango te ce que za congolais M23 ozongi nayo na vie civile lokola batu nyonso ce que za na besoin ya kokota armée alors oyé après okeyo moko oyé ko s'inscrire na armée na biso okeyo sali formation comme tout citoyen congolais mona mboka Uganda o lolozo ko déplorer le lo matériel sur Uganda Uganda ngolo to benga zaki partenaire o na cadre ya accord ya sous région o ba yimbo ba sala ki pona ko sa sécurité na kata ya est Uganda ba nali na kati pe mona mboka mo teza insécurité te mona mboka teza insécurité te to yebi chef de l'état c'est un fin félin diplomate ayebi comment piéger quelqu'un hier zo sala hypocrisie to yebi que c'est un hypocrite nan hypocrite Museveni était président ya Uganda Mulibi. C'est un hypocrite président ya Uganda. Le chef de l'État de l'Ouganda, c'est un hypocrite tozo loba que non, c'était mafié. Aza coopérant ya ba militaires nationaux. C'est lui qui est manipulé par les militaires nationaux. Il est même utilisé par les militaires nationaux pour venir déstabiliser la RDC. Mais il y a bagarre sincère na RNRV donc. Non, c'est un escroc. Qui est escroc? Le président de l'Ouganda. Museveni c'est un escroc. Azo utilisé donc ayebi comment lui savait que non nous sommes encore du temps de Kabila qui était leur frère yangwana le londe bango nyonso bakobima na poisa ba congolais ba monde mobimba ekoyeba bango ekoyeba misala na bango ya mabe donc développement ya Uganda ya Rwanda ezalaki makila ya ba congolais ba mama bazo kufwa ba mama bazo violer bango basi bazo tambula na bibemba na maboko na Congo awa. Mais la communauté internationale nous chantait le développement du Rwanda et de l'Ouganda. Et que non, ce sont des pays qui ont avancé. Mais bah, avancé dans Makila, Oyezo, Tangana, Congo. Chef de l'État lobby, à quoi permettre à Angoli Soussouté, on doit mettre fin à ça. Aujourd'hui, Rwanda, Salini, Nayo, qui sont. Donc, Kagame, Salé, Lakate, Aléli, et Mission Oya, Salakuana, et Zakolele, Yamukolo. Azo s'attaquer à la communauté internationale à Pambaté, à s'attaquer, c'est parce qu'il a senti que non, il y a eu le fait. Na minute azo lela, a lobi que non, bon aye, a kolingato kende na bitumbate, mais a bon sali ki a yebi saka biso que non, s'il s'agit de faire la guerre, je vais descendre, j'irai en RDC, là où il y a de l'espace pour aller faire la guerre. Maintenant, nous lui avons maintenant laissé de l'espace, qu'il vient maintenant, on va faire avec lui la guerre. A lobi ou non, tozan a besoin. Il y a Kimia pour que nous tobongi sa relation andimi même ba FDLR abandaki koboya bazonge pa naye bakozonga kendo kobunda na bango kendo kosilana na bango en escroc pour cette facile Kimia ekozala
la paix totale à l'est de la République, à Mbongwaza la Kimia. Atika motema mabe. Mwana mboka dossier talika ka est République du Kasai du Congo, to ce comment on a bateau de commandement échangé et pas ça mi est pas lieutenant colonel Yav, ce bateau de commandement. Comment on a tekuna na Rwanda la paix parce qu'on changer le bateau de commandement. Mouté mwana mboka. Moi qui ke ali hein. Te qui que zate. Chef de l'État yebi comment est-ce que Kobeta Badam Naye, as un grand joueur. Donc, as a un moment où il faut placer pion tel pour que tu aies une victoire. Parce que as a déchargé, moi, dans mon constant, dit ma gouverneur, donc, à la Kissibiso, à la Kissimoutakala, il y a un Rwandais, il y a un Ougandais, il y a un Kimoïbi, il y a destruction, il y a Congo. Alors, il y a un moment où Moussalawana Nyonso, en même temps, gouverneur chargé d'administration, en même temps chargé des opérations azo simba commandement ya armée ya ngwana mwana mboka lobi ke non il faut pas décharger ndam parce que même mouto za na contrôle parce que général constant le gouverneur militaire tongo ko sakana na été mungala wana ko sakana na été mbuma za na nzoto soki ayebi ko tangi soko pesa ba tactique tout de guerre azana ngo na mutu na ye ayebi oyo za moyibi oyo azo opérer tel tala kokoma na ye akomi na goma nde ba dévalé ba mafie oyo ba tosaki na bango na armée donc armée de koma ke sika ya cop oh armée eza donc un noble travail au monde. Un militaire ne peut pas faire le commerce, il n'est pas commerçant, mais pona biso awa na ta ya kabila lokola kabila musala na ye awa ezala ki ye moko grand affairiste au monde. Yangwana omoni ke no makambunyo so atikela ki même ba généraux na ye même ba tuna ye nyonso bango nyonso na ba affaire. Yangwana ozomona no constat lokola ebaki makambwana ba décharger ye ba pesa na no bâton de commandement pour que ba contrôler ba infiltrer. Na félicité mwana mboka ngobila. Na idéologie uti ko bimisa lobi il faut ba étranger nyonso ba kende ko s'enregistrer ba zo carte des résidents à Wanakin. Ce qui est na sengi mwana mboka ngobila. Ce qui kabila s'enregistrer te ba kangaye aza pe étranger. Ba tika yete ba kende tina kingakati ba talaka ba étranger onyoso baza kuna en commençant par kabila. Ce n'est pas un congolais. Parce que yetango zo le ba étranger a comme te na kabila pe il faut ya ko s'enregistrer parce que awa tozana besoin ya ko identifier ba étranger onyoso baza na kati ya RDC. Mwana mboka, merci beaucoup d'un seul c'était quand tel enregistrement tout qu'un petit tali de ses matata pogno oh le jeu qui s'est tardé mwana mboka matata pogno c'est un homme fort hein? Il a bloqué l'appareil judiciaire t'es un homme fort t'es donnant du temps au temps tozo kendera matata pogno tozo kendera soukanaye matata pogno mbongo na biso et bimaki na ba contribuable congolais mbongo na biso bande ko na biso bazo vivre na pasi ba congolais bazana pasi mbongo na biso matata mponyo ko zongise le biso yango masango tokolia yango soki tolie masango te ba juge ba ete biso matata sa la prison matsango na biso olie ya botala motema mabe mutu moko bazo sala mobilisation ya recette na tana bango 300 millions. Mais mutwana bazo bimisa 300 millions bazo pesa ye yezu mbongwana ule ya ko kolona biloko kolona masango ko sala park wana agro industriel et aider d'abord salé donner du travail de l'emploi aux congolais aux militaires des congolais en deuxième position les congolais allaient toujours bénéficier de ça parce que ba production na soki ya masango masango et ye sali nini masango est commis na marché équité et profiter toujours na ba congolais mais motema mabe ya mutwana azozwa mbongo na ke ko tonga ba université pa na ye mais botala kindoki ya mbongo amongo atelemi awali kolo ya mbongo akei na manyema azokende ko kumisa moyibi alobi ke no ye quand même asali bien a détourner mbongo aye ko investir a investir na, donc, dans des choses privées, dans des histoires privées qui ne profitent à rien donc, à la nation. Makambu ya famille privée, azo kende ko ebisa biso,
Keno, il y a Salibia Ayibi, il a encouragé Moïbi, à Mbongo na vie na ye. Donc, mais il y a un peu de mawate. Il y a un Mbongo. Attendez, il y a un peu de Bewana. Santé ya Mbongo, soit kaka, santé ya Mbongo, Nata ya Kabila. Mbongo a commis neti mutu ya 85 ans. Mais l'état Nata ya Fati Awa, vous avez comment est-ce que Mbongo s'est métamorphosé à Zongi jeune, les lobes à jeune fille, donc, parce que le Mbongo fort. Donc, a commis les lois Awa, ce qui a télémi Awa, moi, c'est un peu de temps. Bazole la Ambongo a commis jeune, a commis la beauté, boga. Non, nous ne sommes pas là. Oui. Nous sommes dans la politique. Nazolo ba, oui. Mais Ambongo c'est un politicien. Bref, bien au moment là, Ambongo c'est un politicien. Nous sommes dans la politique. Oui, nous sommes dans la politique. Il faut toi y bissaye pe magamuna yende ngazali yangwana bozo mona keno Ambongo a yelelo a commis bien, a changé pour nanine. Parce que Fatia Tché est à l'aise. C'est ça le changement. Mais Azolo ba a quelque encouragé place Nazolo Bela parce que Azana moté mamabe. Ambongo linga ka fatite azo linga fatia azo contre les congolais peuple congolais souffre peu qu'on a dans tala 4 ans de pouvoir peu qu'on azo azo construire tout peut tellement mboka peuple azo souffrir avec Mobutu 32 ans mésession ambianceur à détruire mboka toyena Kabila 18 ans organisation ya ba détourneur un système d'enrichissement illicite pendant 18 ans perte de temps, toi y en a Kabila Mouzé, au Soubananzela, projet de société, et l'autre Mouroté na Moutounaye. Alors, pendant tout ce temps qu'on avait perdu, seulement 3 ans, Fati doit faire les miracles. Azan a bâton magique, ou Zamba, Pessa qui est net, Pessa qui Moïse, pour ça le miracle. Fati a Zapé Moutou, bon Pessa y est temps. Bon Pessa, on a battu temps. 3 ans, bon poussé y était que 3 ans à réparer Makambo et Bossala qui pendant 100 ans, depuis la colonisation, mais Kabila ne s'est pas encore retrouvé. Kabila, est-ce qu'il y a l'administration, est-ce qu'il y a chaoté, est-ce qu'il y a l'institution? Non, il y avait du chaos. Il y avait du chaos. Kabila n'a pas laissé l'administration. Quelle l'administration? Il y a son mona placé à 300 personnes, bah, tiens, 2 millions de personnes. Est-ce que ton administration ne doit exister? Kabila au Congo, il n'y avait pas l'administration. Il n'y avait qu'un système que les gens avaient organisé pour rançonner les Congolais. Mais il faut d'abord comprendre comment est-ce que le système marchait. Car le Congo, il y avait du chaos. Il y a un peu de Fati. Tant, Fati aye. Aye, on a un peu de temps. Mais si tu as le long de Kishasa, comme il a beauté, tu as un peu de temps pour Kishasa, tu as un peu de journaliste. Kimbuta, tu as un peu de solo partout. Kimbuta, tu as un peu de foule. Tu as un Kishasa, Ezaraki, la capitale la plus sale du monde. Nathan et Kabila. Mais si tu as le long de attends, ça l'était encore et si l'union sautait, mais quand même, aux autres temples, la question ça, aux autres, comme mon pépé, il y a bien les lots à cause de la fatigue béton. Talendengue, misale, zosalema, partout. Pour la première fois, dans la province, il y a Kasaï Oriental, bâti la bango, bâti projet aux autres, à peu près 200 millions de dollars. Banzela, zosalema. Pourquoi tu l'as dit, le second? Na Kasaï, na Yébissio, Kasaï, tu l'as dit, le kit, toko et bétamine, en dengue, à date, Kalamingi Tiawa. Bah, on peut se faire une formation. Dès que vous tombez là-bas, ok, na Kasaï, on peut se dire ça. Au commun, que non, la ville s'est développée. Bah, outil qu'on a lancé même récemment, un projet de 35 km de route de voirie urbaine, toujours sous Fati. Quand le ministre dans 10 jours, bah, ok, on a lancé pour un projet d'électrification parce que bah, ça lit déjà tribune centrale, ils a déjà wana. Bah, outil qu'on signé pour un contrat, na société Moko Sozakas. Oyo ba signé nango de façon que no ba kende kotia ba poto nanzela ba ton pour que ba koti se suko ba transformer suko courant et comme suko ba transformer énergie comme courant pour ekota na banda kwa bato pam akaka wana te kende le lo a report ya bipemba na Mbujimayi et ça en pleine réhabilitation kende na nini place moi na mboka Bemba kenda ki na Équateur misale zo salema kende na Kananga donc na moya le lo ba outi ko signé contrat Banque mondiale a outi qu'on paie ça. Plus d'un milliard 500 de dollars. Basta l'anzela et l'ungwe, goma timbujimaï. Donc, wana nyonso. Tout paie ça, Fati. Tant Fati est venu travailler pour les Congolais. Merci beaucoup, wana mboga ma ponomi. Kami, le dernier virage ma ponomi. Mouez katoum a soukou l'obake. Ma ponomi a segni na ba imboka babo ya vote électronique. Toke na vote manuel, wana mboga. Bon, na linga go lobele. Mingi mingi, wana mboga, soi-disant. Notre hybride,
Moïse Katumbi na linga ro lobelete parce que awo to zoso la makambo ya ba congolais. Siko to ya ko tia en étranger na makambo ya ba congolais ndenge nini. Na zo yebisa ye makambo ya élection ya Congo. Exact, c'est une question oyo ezo concerner souveraineté ya mboka. Alors, ye ako ya en étranger abanda ko ya ko pese biso façon ya ko organiser élection té akende na mboka. Muto za na 5 passeports à sa nationalité. Nani? Katumbite? Agani? 5 passeports. Sa nationalité hybride, sa nationalité. Toye bagate azala kanani auta wapi? Donc ba mafie moko boye ba ko se retrouver na Congo na régime ya Kabila. C'est ça Kabila. C'est ça Kabila, c'est que Kabila nous a laissé au Congo. Kabila non honnête. Oh, c'est que peut-être nos pouvoirs au Bengé. Donc ce qui balobi que Kabila za honnête, c'est-à-dire honnête, ba honnête na mokili bazate. Tolongoli moi wana na dictionnaire. Ce qui Kabila za honnête. Muto za honnête a komi wana président de Yeni. Muto za honnête, azo ya ko ko se biso ke non. Aza congolais, babotie na manono, azu mutu mususu aza li passa na ye nzoka mama leki na ye. Wana ndia za honnête. Oh, ouais, da Janet a sa maman qui na ye. Bazaki na ye na Tanzanie, da Janet kaka na parlement yebisi biso ke non. Asala ki musala na service national ya Tanzanie, mais yo oza étranger ke ndeko sala musala na service national ya Tanzanie. Da Janet le maman ki ya Kabila. Soko Kabila donc on était ya mutu. Aya kokoma. Babotie. Da Janet na ewa bora na 1967. Ye Kabila li passa na ye babotie na manono na 1971 ba mapasa wana za one tete kaka muto ozo bisa ce monsieur là ponanga fati a aidé biso en tout cas pardon fati kima ba congolais bazala na kimia bakanga Kabila kende ko pema Kabila soki a pemi ba congolais ba ko sepela ba ko donc okozo appelle. Na élection ya 2023 Fatia ko sala 93% soki akangeli kaka Kabila. Kabila acha no mal à l'aise hein. Te akotsa biso mal à l'aise. Ba a pe mamoli valo di Kabila za na maina makilana. Te est-ce que Kabila ata tozolo bele bakanga ye parce que za ki moyibi a détruire Congo. Mais pas pour na makambu ya élection akotsa biso ata ndenga zo utiliser ba journaliste zo sombela bango ba whisky zo tinda bango na ba media. Donc la seule chose qui lui reste c'est massa. Corrompre les gens, utiliser les gens, le manipuler, les inconscients sont comme ça. On les utilise toujours pour des petits moyens. Moutouana a détruit le Congo, il s'est fait milliardaire. Mais Bino Bazo Kendo Pesta Bino Bia Miette Amike Mike pour que non, vous sacrifiez Congo. Alors le reste est à Congo, Kabila, en 2023, tous les gens qui ont élection 100% congolais. Ce qu'on a congolais, tu es au Royaume Kotate. Merci beaucoup mon amour d'être monsieur mais on a besoin mais ça soukani eux que commencer ba yimba ba tout moment à moment au le particulier na ba yi est na message ni eux que commencer ba yimba ba tout le moment au particulier ba yi au bazana est ouais na bande qu'on a biso bazana est tous au compatir ma casse na malheur oyo et comme la kabango malheur oyo et comme qui vie quotidienne na bango tous au se partager na bango ba douleur oyo bon perdre espoir té. Le libérateur est déjà là. Dieu sait comment utiliser les gens. Il a utilisé Fati pour venir sauver la nation. To lingamboka. To pesa ka mingi mingi matoye na banguna te. Boyo kandeke kaka maleli. To pesa confiance na Fati to soutenir FRDC na biso jusqu'à la moelle épinière. Parce que c'est avec le FRDC de bako pesa biso victoire dans les soutiens. Yangwana to lingamboka na sengi na bandeko na biso ya est. Malheur na bino ezo épargné bisoté toza na bino to donc to raisonna ka bino tongo matin midi soir de façon que non un jour bozala na kimia bo vivre paix attends à les ali mais bozala na kimia na bandako ba mama balala kana bandako ule ke bakenda ka kolala na zamba oyo héritage Kabila tikela ke biso mon numéro c'est +243 85 13 600 et puis +53 +243 85 13 600 et puis +53 même numéro on est sur WhatsApp s'il y a moyen il y a collaboration des informations nous allons toujours collaborer je dis et puis je vous remercie. Merci.